Allez, ouais, ouais. J'ai bien. Là, je vais vous. Ah, il va bien tout seul. Ouais. Oh là là. Oh là là. En fait, j'ai décroché. Après, j'ai entendu que le défenseur qui était derrière moi, il a glissé. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un intervalle et j'étais seul, donc j'ai accéléré. Et après, arrivé dans le gardien, bah, un peu de réussite du pointu du droit. Normalement, je suis gaucher en plus, mais un peu de réussite, mais c'est ce qu'il faut dans le foot. Hein. Au départ, on était tous un peu tendus au vu du match, parce que c'était un match en jeu, à élimination directe. Sachant qu'on a l'année dernière, on a perdu contre Rennes aussi, là-bas, c'était chez eux. On partait avec une équipe. Un peu moins forte au papier, mais bon, on s'est dit que ça ne devait rien dire, quoi. Il fallait jouer le match tel qu'il est, et on a mis beaucoup de détermination dans ce match et on a réussi à gagner. On a eu énormément d'occasions sur la première période et de ne revenir qu'avec le score de 1-0 en notre faveur à la mi-temps. Je ne vais pas dire que c'est flatteur pour Rennes, mais on a le droit d'espérer mieux et d'avoir déjà fait le break sur cette première mi-temps. Je suis relativement satisfait de la prestation qu'on a pu faire. On savait que bon, en face, c'était Rennes quand même, un centre de formation réputé, des joueurs de qualité, qu'on n'était pas forcément favori sur le papier, donc il fallait mettre certains ingrédients pour pouvoir passer. La qualification ne me paraît pas illogique.